Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est samedi et le samedi égale... Mettez-moi dans les commentaires. Non, le samedi égale nouveau hit. Oui, tous les samedis matins sur la chaîne YouTube, c'est un nouveau hit. Le mercredi, c'est un cours de fitness. Le samedi, c'est un hit. Le dimanche, c'est un conseil santé, nutrition, sport. Donc, trois nouvelles vidéos par semaine. Donc, trois bonnes raisons de s'abonner à la chaîne YouTube. Vous activez la petite cloche qui va bien pour être tenu informé de chaque sortie de nouvelles vidéos. On vous rappelle que c'est vous qui faites le succès de cette chaîne, donc allez-y, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Et pour les nouveaux, on a un petit cadeau pour vous, c'est les 10 conseils pour être au top physiquement. C'est un petit carnet de route qui va vous guider dans votre meilleure vie, dans votre remise en forme, que ce soit côté alimentation ou côté sportif. Aujourd'hui, on fait un hit spécial ventre plat, 5 exercices actifs qui vont engager votre transverse et vos abdominaux pour avoir un ventre plat. On va passer 15 minutes ensemble. On se retrouve tout de suite après le jingle. Let's go. Ok les amis, séance super rapide, super efficace, 15 minutes ensemble pour avoir un ventre plat. Pendant cet échauffement, comme d'habitude, je vais vous montrer les 5 exercices que nous allons faire ensemble pendant 2-3 minutes. Et ensuite, on va attaquer avec 30 secondes d'activité, 30 secondes de repos pour les débutants et pour les avancés. Si vous avez l'habitude, vous pouvez pousser à 40, voire 45 secondes de travail effectif et 15 ou 20 secondes de repos. Je vous le dirai de toute façon pendant la séance. Ok, on est prêt? Allez, premier exercice, on a une attaque directe avec des burpees. Mais des burpees, des demi-burpees, d'accord? Pour engager le ventre, on pose les mains au sol, on amène le pied droit, le pied gauche, on reste comme ça, en planche, pour bien engager le ventre, on remonte et on va chercher un petit saut. On descend, droite, gauche, remonte, remonte, et en haut. Si tu as l'habitude, tu peux directement engager comme ceci et remonter, tac. Et sinon, vraiment, tu prends ton temps, tu descends, tu poses les mains, tu poses à droite, tu poses à gauche, tu remontes et tu relèves. D'accord? Même à ma maman de 70 ans qui n'a jamais fait de burpees, j'ai réussi à lui faire ça. Donc, c'est vraiment chacun son rythme, tout doucement, je remonte. Et je fais un saut. Ok? Chacun son rythme, chacun son niveau. Comme disait tonton David, chacun sa route, chacun son chemin. Merci, au revoir. Ok, deuxième exercice. Voilà, tranquillement, deuxième exercice. J'ai toujours ma petite anti-sèche puisque ma mémoire n'est toujours pas revenue. On va se placer sur le dos. Hop! Voilà, sur le dos, les deux épaules décollées, pas le menton à la poitrine, toujours regarder dans le sol et là tout de suite, j'engage, voilà, j'engage mes abdominaux, voilà, et je vais tendre la jambe droite, je reviens, tendre la jambe gauche, je reviens, je tends, je ramène, je tends, je ramène, encore, hop, hop, voilà, les abdos sont serrés. Et je vais faire 30 secondes comme ça d'activité. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre directement les deux jambes. Voilà. Hop. Hop. Et je serre et je ramène. Et je serre et je ramène. Et je serre et je ramène. Ok, super. Next, on va se placer. Hop, sur le ventre. Les mains. Juste en dessous des épaules, comme ceci. Et on va ramener les genoux à la poitrine et non pas le menton à la poitrine. Ok, je ramène. Tout ceci sera un petit peu plus rapide. D'accord, pour l'instant, on est juste dans la phase d'échauffement où je vous montre les exercices. Mais je vous montre les exercices, mais vous les faites avec moi. Hein. D'accord, c'est vraiment l'échauffement. Hein. On le fait ensemble. Hein. On ramène. Hop, 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 hop. Voilà. Ok, super. On va se placer debout. Hop, redressez-vous comme ceci. Super. Là, vous allez
fléchir vos jambes. Voilà, un petit peu plus large que votre bassin au niveau des pieds. Et je vais aller chercher sur le côté. Mais je vais vraiment... Voilà, là ici, j'engage mes obliques. Tac. Comme ceci, vous allez alterner pour engager et contracter vos obliques. C'est à vous de donner l'intensité à l'exercice. C'est vraiment... Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, de profil, c'est légèrement, j'arrondis, voilà, légèrement le dos. Et j'enroule, et j'enroule, et j'enroule, et j'enroule. Ok ? Ça, c'était le quatrième exercice. Le cinquième exercice, on repasse de nouveau au sol, comme si on allait faire des mountain climbers. Mais cette fois-ci, je vais poser deux options. Soit on... Enfin, plein d'options. Les mains juste au-dessous des coudes. Sinon, si c'est trop dur sur la pointe des pieds, on reste en appui sur les genoux. Ok ? On va amener le pied droit à droite, je reviens. Le pied gauche à gauche et je reviens. À droite, voilà. À gauche et à droite et à gauche et je reviens. Et si ça, c'est encore trop facile, eh bien, tu jump de chaque côté à droite et à gauche. Ok ? Eh bien, voilà. On a tous les amis, maintenant c'est l'heure de me mettre un petit pouce like, vous mettez un petit pouce like, d'accord, tout de suite avant de commencer si vous êtes chaud et je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Non je rigole, reste là mon ami, c'était une petite blague, oui je fais des petites blagues de temps en temps, bon elle était nulle. Ok, on y va maintenant, on y va, 30 secondes d'activité, 30 secondes de repos, si t'es... Avancer, tu peux aller à 40 secondes d'activité, 20 secondes de repos ou 45, 15. Ok ? On y va, on met le chrono. Premier exercice, des demi-burpees. Dans 10 secondes, j'attaque. Demi-burpees, on se place au sol et on tout de suite, on tend les jambes. D'accord ? C'est vraiment pam, pam, jump. Pam, pam, jump. Pam, pam, jump. Allez! Wouhou! Et sinon, on descend à la droite, à gauche, remonte, remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, ok. Pour ceux qui nous découvrent et qui se disent... Un demi-burpees, mais comment ça se fait? C'est quoi un burpees entier? Ben, un burpees entier, c'est avec la pompe, clac, et tu remontes. Voilà, ça c'est un burpees en entier. Ok? Donc le demi-burpees, on engage encore un petit peu plus au niveau de ses abdominaux. D'accord? Allez, deuxième exercice, les deux épaules décollées, les mains juste derrière les fesses, et on va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, et on regarde dans le ciel. Où son plafond, où son lustre, où je sais pas qui, quelque chose au-dessus. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un beau ciel bleu et quelques petits nuages magnifiques. Et si c'est trop facile, hop, on tend les deux jambes en même temps. Ok ? Voilà. Allez, j'ai 30 secondes comme ça pour engager mes abdos. Hop, parfait. Troisième exercice, mountain climbers. On a juste à se tourner. Placez les mains sous les épaules. Les jambes sont tendues. On ramène les genoux, on ramène les genoux en rapide cette fois-ci. D'accord ? Tout à l'heure, on l'a fait comme ça, tout doucement. Là, on peut aller un petit peu plus vite. En fait, on va juste à son rythme. Si tu peux, tu vas plus vite. Sinon, eh bien, c'est pas grave. Je veux juste que tu te donnes à fond. Allez, voilà. Tu vois ? C'est ça, se donner à fond, les abdos sont serrés, engagés, bien, voilà vos abdos. Et on engage, et on engage, et on engage, et on engage. Encore. Allez, 15 secondes comme ça à tenir. Soufflez bien. Voilà.
Voilà, respiration régulière. Ok. Ah, marchez un petit peu sur place, vous buvez si vous voulez. Ah. Un petit peu de vent. Le quatrième exercice, c'est debout avec les jambes un petit peu plus large que le bassin, légèrement fléchi, et on engage à droite et on engage à gauche. C'est parti. Allez, souffle, souffle, souffle. Voilà. Pourquoi je parle comme ça? Parce que je suis en train de contracter les abdominaux. Voilà. Et de forcer. Voilà. La contraction. Souffle. Souffle. 5 secondes. Allez. Ok, super. Bravo. Cinquième et dernier exercice pour le premier tour. On appuie toujours sur les mains. Alors on sollicite un petit peu les bras, évidemment. Regardez, c'est beaucoup de soleil. Ah là là. Pourtant, j'ai mis de la crème. Hein. Mais bon, venant du nord, ça pique un petit peu. On amène les deux pieds à droite, à gauche, comme ceci. Tac, 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 tac. Ou un seul, comme ça, comme ça. Et si c'est trop dur, on reste sur les genoux. C'est parti. Allez, boum. Boum, super, boum. Allez, encore. Engagé. Le micro, il part. 3 secondes. Le micro, il part en vrille. Ok, premier tour, check. Bravo les amis, si vous l'avez bien fait, et même si vous ne l'avez pas bien fait, mais vous allez bien le faire, un petit pouce like, c'est bon. Allez les amis, un pouce like, c'est pour s'encourager, c'est pour se motiver ensemble, se dire, ok, je l'ai fait, premier tour, check. On enchaîne avec le deuxième tour. C'est quoi les demi-burpees? Je me mets ici. On descend, on tend, on remonte. On descend, on tend, on remonte. On descend, on tend, on remonte. Allez, si c'est trop dur, encore une fois, je vous le rappelle, hein, vous allez à votre rythme. Allez les amis. 5 secondes. Hop, 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 hop. Oui, parfait. Allez, marchez un petit peu sur place. Le deuxième tour est déjà bien engagé. Hein. On s'allonge sur le dos. Hop. Ah. Tu sais que je vais aller dans la piscine après. Ouais, tu sais. Hein. Quoique, j'ai peut-être encore des choses à faire. C'est peut-être pas pour tout de suite. Mais t'inquiète pas pour moi, je vais y aller. Jambe droite, jambe gauche. Abdos serrés, c'est ça. Droite et gauche. Droite et gauche. Encore. Si c'est trop facile, tu tends les deux. Voilà. Souffle. Souffle. Ok, on repose. On se place, hop, sur le ventre pour enchaîner avec les Mountain Climbers. Et oui, on appuie sur les mains. Et je peux te dire que quand on aura fait les Mountain Climbers, eh bien on aura déjà dépassé la moitié. D'accord ? Faut toujours visualiser une petite pyramide. Se dire, lorsque j'ai 5 exercices sur 3 tours, j'en ai 15 à faire. Donc tu montes jusqu'à 8 et après t'en as plus que 7. Voilà, c'est comme ça que je visualise les choses. Allez, Mountain Climbers. Soufflez bien. On accélère, on accélère, on accélère. Encore, encore. Allez, chez toi. Lâche pas, mon ami. Encore, accélère. Voilà, c'est ça. Je suis sûr que tu peux te donner encore un petit peu plus. Je suis sûr que tu peux te donner encore un petit peu plus. Vas-y, accélère, accélère. Encore, 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 encore. C'est ça. Soufflez, 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 soufflez.
Boum. Allez les amis, encore. Voilà. Mets-moi en commentaire. Tu vois, quand je te dis, je suis sûr que tu peux aller plus vite. Mets-moi en commentaire si tu veux que je vienne te coacher chez toi. Tu me dis où tu habites. Tu me dis si tu veux que je vienne te coacher. Et je viendrai. Promis. D'accord ? Mettez-moi en commentaire. Et je viendrai dans votre région. Ah, je dis pas ça encore. Je dis pas ça en l'air. Hein. Ok ? Allez, debout. On va engager ses abdominaux. Droite et gauche. Abdos serrés. Légèrement fléchis sur les jambes. Et on y va. Allez. Voilà. Engagez les abdos. Voilà, parfait. Et souffle. 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 Parfait. Allez, plus fort. Plus fort. Ouais. Bravo. Dernier exercice du deuxième tour. On appuie sur les mains. On va jumper à droite, jumper à gauche. Jump, jump, jump. Jump, pas d'air. Pou, pou, jump, pas d'air. Allez. On y va. Serrez-moi vos abdos. Engagez. Placez-vous sur votre tapis. Les mains juste sous les épaules. Hop. Et on va jumper à droite et jumper à gauche. Clac. Voilà. C'est surtout lorsque tu reviens en planche ici qu'il faut, poum, serrer ses abdos. Poum. Je serre. Clac. Pam. Si c'est trop dur, une jambe droite, une jambe gauche. Une jambe droite, une jambe gauche. C'est ça. Allez. 10 secondes comme ça. 10. Oui. Poum. Allez, allez chez toi. Parfait. Je suis fier de toi. Le deuxième tour, c'est fait. Mais comment ça passe trop vite? Déjà 10 minutes de fait. Encore plus que 5. Et après, on sera bon. Ce sera à la douche ou à la piscine. Allez. On y va pour les demi-burpees. À son rythme toujours. En descendant tranquillement. Voilà. Et vous serez fiers de vous. Et nous, on est fiers de vous, on est fiers de la communauté Move Your Fit, je peux te le dire. 3, 2, 1, c'est parti. Pam, pam, chac. Pam, pam, chac. Pam, pam. Oui. Pam, pam. Ouh. Allez, va chercher en haut. Ouh. Ouh. 3 secondes. Oui. Yes. Celui-là, on sait qu'on n'y reviendra plus. On sait qu'on le refera plus. Donc, c'est déjà une bonne chose. Si on l'aime pas trop, déjà, c'est déjà pas mal. D'accord? Ah. Allez, soufflez bien. On s'allonge sur le dos. Les mains sous les fesses, la tête légèrement décollée, les épaules légèrement décollées. Et on tend la jambe droite, on tend la jambe gauche. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche. Allez, allez, encore, encore. C'est ça. Allez, serrez-moi vos abdos. Parfait. Ou les deux. On essaye. Ouh, c'est la fin. J'avais pas vu le chrono. Oh, je suis gentil, juste le dernier. Hein. On passe en mountain climbers. Là, on donne tout. Ok, la famille, on donne tout. On appuie sur les mains. Et je genoux, 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 genoux. Ah. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de faire ça, son sport. Au début, on avait peut-être du mal à s'engager. Et une fois qu'on l'a fait, on est content. 5 secondes. On appuie sur les mains. Voilà, dessous. Et je ramène. Allez, rapide, 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 rapide. Soufflez. Soufflez. Ah. Encore. Ah. Allez, 5 secondes encore. Plus vite.
Plus vite. Plus vite. Ah. Yes. Allez, plus que deux. On passe debout. Ah, ah ouais, ça essouffle, hein. Le cardio, il est bien engagé. Également, les jambes un petit peu plus ouvertes. On va engager, forcer sur ses abdos et je souffle. Voilà, je souffle. Ok, on est fort. 3, 2, 1, c'est parti. Souffle, souffle. Parfait, hop, hop. Engagé, voilà, c'est ça. Plus fort. Gardez le sourire. Moi, je suis concentré, je suis à fond. Vous aussi, j'espère. Allez, c'est le dernier, la team, c'est le dernier. Allez, on sera content, on sera fier de soi. Moi, je suis fier de vous. Ok, on y va dans 15 secondes pour le dernier exercice. On appuie sur les mains et on jump droite et gauche. Ok, allez, on se met déjà en position parce que si on attend le bip pour se mettre en position, ce sera pas efficace. Ok, on va déjà perdre les 5 secondes qu'on a. Ok, on amène à droite, on amène à gauche, droite et gauche, ou jump, ou juste on appuie sur les genoux, comme on veut. Ok, allez, lâchez rien, donnez tout, oui, 15 secondes la team, 15 secondes. Allez, encore, 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 10 secondes. Le chrono, il est là, le chrono, il est sur le côté. Allez, donnez tout, 5, 4, 3, 2, 1. Wouhou ! Yes ! Bravo ! Un max de pouces like pour toi, un max de pouces like. Voilà, bravo, merci. Restez là, restez là, restez avec moi. Juste deux petites secondes, on va s'étirer. Les deux pieds serrés, on se grandit. On va chercher en haut. Ok, encore une fois, grandissez-vous, inspirez. On va chercher à droite. Hop. On va chercher à gauche. Hop. On se grandit, on relâche. Enroulez les épaules. Encore une fois, grandissez-vous, inspirez. Ah, bravo les amis, bravo, je suis fier de vous. Voilà, si vous avez bien aimé ce cours, si vous avez deux objectifs différents, j'espère que ça souffle pas trop dans mon micro. Deux objectifs différents, la perte de gras, c'est le programme T12S qu'il vous faut, donc je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez juste avoir un ventre plat et voilà, et pas perdre de gras en plus, parce que peut-être que ça vous va très bien comme ça, on a le programme ventre plat en 4 semaines fait par Jessica et Aurélie à base de yoga, à base de pilates et de fitness. Donc je vous mets tous les liens dans la description, allez-y, pensez à vous abonner à la petite chaîne ici. Voilà, ici, cliquez sur nos deux petites têtes et à partager cette vidéo. Je vous embrasse les amis, on n'oublie pas, on n'oublie pas, on lâche rien.